chers amis, chers camarades. Mon nom est Mathieu, je suis conducteur de train à Versailles et secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Versailles, affilié à la Fédération syndicale mondiale comme le Paris. Χαίρετε, ονομάζομαι Ματιέ Μπολβενιά, είμαι Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου των Σιδηροδρομικών των Βερσαλιών. Είμαστε μέλος, συνδικάτο μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, όπως είναι και το ΠΑΜΕ. Je suis très honoré d'être ici. Aujourd'hui, nous sommes une délégation présente aujourd'hui de la ville de Versailles, des postiers, des cheminots qui étaient engagés dans la grève illimitée contre la réforme des retraites. Je voudrais remercier tous les camarades de Pamé et particulièrement les camarades ici du Piré, de Cosco, pour leur accueil fraternel et chaleureux ici, dans cette terre de lutte et de résistance historique du peuple grec et des travailleurs de Grèce. Νιώθω μεγάλη τιμή. Νιώθω μεγάλη τιμή να είμαι εδώ μαζί σας, παρόν μαζί με την αντιπροσωπεία της πόλης μου, με συνδικαλιστές από τους κλάδους των ταχυδρομείων, των δημόσιων υπηρεσιών, των σιδηροδρομικών. Άτομα τα οποία συμμετείχαν στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που προηγήθηκαν στη Γαλλία και ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργάτες εδώ για την θερμή υποδοχή που μας δώσανε. Avant de commencer, je voudrais d'abord, en tant que cheminot, au nom de tous les cheminots de France qui ont été énormément bouleversés par ce qui s'est passé, vous témoignez un message de condoléances pour les 57 victimes et leurs familles du terrible accident de la compagnie OCE qui a eu lieu en Grèce. Nous avons suivi votre douleur, votre souffrance et suivi votre lutte contre ceux qui ont organisé ça. Ce n'est pas un accident de train, c'est un accident de la privatisation. Ce n'est pas sur les paquets de Carelia, c'est sur les entreprises qu'il faut écrire que la privatisation tue. Επίσης, θα ήθελα να σας μεταφέρω σαν σιδηροδρομικός και στο όνομα όλων των σιδηροδρομικών της Γαλλίας τα θερμά μας συλληπιτήρια για τους 57 νεκρούς που χάσατε μετά το φρικτό σιδηροδρομικό έγκλημα που παρακολουθήσαμε τον πόνο σας, ακολουθήσαμε την οργή σας και σας εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας από τη Γαλλία. Και όπως αυτό το πακέτο καρέλια που κρατάω στα χέρια μου γράφει το κάτω μας σκοτώνει, η πραγματική απάντηση είναι ότι η ιδιωτικοποίηση σκοτώνει, οι εταιρείες σκοτώνει. Nous sommes engagés en France depuis le 19 janvier contre une réforme des retraites que veut nous imposer le président Macron. Il s'agit de faire travailler 2 ans de plus tous les travailleurs de France, 2 ans de plus, donc ce qui veut dire pour le droit commun jusqu'à 64 ans, l'âge de départ à la retraite, et pour un certain nombre de régimes spéciaux, de régimes comme le régime des cheminots, comme le régime des éboueurs, comme le régime des égoutiers, comme un certain nombre de régimes spéciaux à forte pénibilité, nous faire tous travailler 2 ans de plus, c'est-à-dire nous voler 2 ans de nos vies au service du capital en raison d'une prétendue situation de déficit de nos retraites, alors qu'en vérité, notre pays n'a jamais été aussi riche de par l'immense productivité et la somme colossale de richesses que produisent les travailleurs du pays. Ταυτόχρονα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στη Γαλλία βρισκόμαστε σε μεγάλες κινητοποιήσεις από τις 27 του Γενάρη ενάντια στην προσπάθεια της ταξιδιωτικής μεταρρύθμισης την οποία προωθεί η κυβέρνηση του Μακρόν, η οποία θέλει να αυξήσει κατά 2 χρόνια το όριο συνταξιοδότησης. Μάλιστα σε ορισμένους κλάδους όπως τον δικό μας, των τροχιωτών σιδηροδρομικών, αλλά και στον κλάδο της δημόσιας καθαριότητας, αυτά θα μεταφράζονται σε 2 χρόνια κλεμμένα το κεφάλαιο από τη ζωή μας. Ταυτόχρονα να σας ενημερώσω
ότι στην πραγματικότητα όλα αυτά, όλη αυτή η ιστορία του μεγάλου κεφαλαίου, τα ψέματα που λένε για το συνταξιδοτικό καθεστώς, κρύβουν ότι η Γαλλία είναι μια πάμπλουτη χώρα με κολοσσιαία κέρδη που θα μπορούσε να ανατρέψει τον πληθυσμό της. Vous l'avez tous vu, vous en avez entendu parler, face à la puissance gréviste, face au rejet par la population et par les travailleurs de cette réforme, et face au fait que le président Macron s'est retrouvé lui-même en minorité dans son propre Parlement, il a utilisé un trick, il a utilisé les dispositions spéciales de la Constitution pour faire passer sa loi sans vote, et c'est ce qui, en plus de la lutte des travailleurs, a amené l'irruption de la jeunesse ouvrière et des universités dans les manifestations tous les soirs dans toutes les villes de France, parce qu'à partir de ce moment-là, la lutte contre la réforme des retraites n'était plus seulement un impératif de lutte sociale, d'autodéfense pour les travailleurs, mais était devenu aussi un impératif démocratique pour faire respecter les libertés démocratiques pour la classe ouvrière dans le pays. Είδατε όλοι τη δύναμη των απεργών, είδατε όλοι τη δύναμη των απεργιακών αγώνων. Μέχρι και ο ίδιος ο Μακρόν, η κυβέρνηση του Μακρόν, όταν βρέθηκε μειοψηφία μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας, χρησιμοποίησε τα συνταγματικά τρίκ για να καταφέρει να περάσει την αντιλαϊκή συνταξιδοτική μεταρρύθμιση. Πλέον ο αγώνας είχε γενικευτεί, είχε φτάσει από τους εργάτες στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς, γιατί δεν ήταν πλέον μια απλή κοινωνική διαμαρτυρία. Πλέον ήταν μια δημοκρατική επιταγή της κοινωνίας. À partir de ce moment-là, le président Macron a révélé ce que nous, militants conscients ouvriers, savions déjà. Il a montré que c'est évaporé comme un tissu de fumée, l'illusion d'une république démocratique de la bourgeoisie. Qu'elle n'est plus, qu'elle nous montre son vrai visage, une armée de policiers anti-émeutes qui sont là pour défendre les intérêts du capital face à la lutte des travailleurs. C'est tout ce qu'est en réalité cet État bourgeois de la République dite démocratique. Εκείνη τη στιγμή, ο πρόεδρος εξανέμισε οποιοδήποτε προσωπείο δημοκρατίας. Έπεσε το προσωπείο της αστικής δημοκρατίας. Εξανέμισε οποιασδήποτε αυταπάτες. Έδειξε ότι τα ΜΑΤ και η αστυνομία βρίσκονται εκεί για να υπερασπίζουν την εξουσία του κεφαλαίου. Et en Grèce comme en France, nous savons que les matraques de gauche ou les grenades de droite ne sont pas les matraques de gauche ou les grenades de gauche ne sont pas plus douces et plus démocratiques que les matraques ou les grenades de droite. Elles relèvent toutes de la même chose, d'un État autoritaire qui impose brutalement les intérêts des travailleurs, les intérêts du capital face à ceux du monde du travail. Γιατί και στην Ελλάδα και στη Γαλλία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα γκλοπ και τα δακρυγόνα είτε εξ αριστερών είτε εκ δεξιών έχουν έναν απόλυτο σκοπό, να υπερασπίσουν την εξουσία του κεφαλαίου. Dans cette lutte de longue haleine, la classe ouvrière de France a trouvé son chemin. Chacun pouvant mettre ce qu'il peut mettre à la hauteur de ses moyens. Certains en grève illimitée, comme nous au chemin de fer, comme les camarades des éboueurs. Vous auriez dû voir Paris à ce moment-là, Georges Perros l'a vu, c'était magnifique. Des pyramides de poubelles, des rats partout dans les rues. Finalement, la bourgeoisie sentait ce que représente la classe ouvrière. Quand la classe ouvrière s'arrête, le pays se meurt, le pays s'arrête. Finalement, nous démontrons que c'est le travail, et seul le travail, qui crée toutes les richesses par la grève. C'est comme ça que nous démontrons. Είδαμε τις υπηρεσίες καθαρισμού στο Παρίσι με τις πυραμίδες των σκουπιδιών. Τότε κατάλαβε η αστική τάξη ότι όταν σταματάει η εργατική τάξη, σταματάει όλη η χώρα. D'autres méthodes. Nos camarades de l'énergie
avec l'intelligence de la classe ouvrière, ont fait circuler parmi eux les listes des noms de tous les députés ayant pour projet de voter la loi et de tous les patrons dans les différents territoires et les différentes villes pour aller leur couper le courant, pour aller les mettre dans le noir, pour leur montrer aussi la force de la classe ouvrière en mouvement. À partir de maintenant, comme l'avait dit Olivier Matteux, il n'y a plus de règles, ils n'obéissent plus aux prétendues règles démocratiques, alors nous aussi, nous ne nous astreignons plus à des règles de prétendu civisme. Aujourd'hui, le président Macron, quand il se déplace, et c'est vrai, ils l'ont révélé, quand il se déplace, il a avec lui ses gardes du corps, bien sûr, mais aussi à chaque fois un groupe électrogène, au cas où les copains de l'énergie coupent le courant pour pouvoir mettre le courant par un groupe électrogène. Voilà en quoi est réduit le président de la 6e puissance économique du monde. Για την άμεση απόκρισή της. Πήγαιναν και με βάση τη λίστα των βουλευτών που ψήφισαν υπέρ της ταξιδιωτικής μεταρρύθμισης, πήγαιναν και τους κόβαν το ρεύμα. Τους ρίχναν στα σκοτάδια. Και από τότε λοιπόν και στο εξής, όταν ο Μακρόν μετακινείται και πάει σε άλλη πόλη να μιλήσει, έχει από πίσω του ολόκληρο επιτελείο ανθρώπων για να ξανασυνδέουν το ρεύμα σε περίπτωση που το κόψουν. Pour finir, je voudrais dire que cette force et cette combativité, elle n'aurait pas pu exister aussi puissamment sans la solidarité internationale. Τέλος, θα ήθελα να καταλήξω λέγοντάς σας ότι όλη αυτή η δύναμη, η αγωνιστικότητα, το αγωνιστικό φρόνημα δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς τη διεθνιστική αλληλεγγύη. Quand on vient, on vient. Quand on est en grève illimitée, que tous les jours, on perd son salaire, que pendant un mois et demi, on se retrouve avec des payes à 0 €, comme nos camarades ici, Mourad, Suzy, Léa, qui sont présents ici, les jeunes, les ouvriers qui se prennent en main. Le pire, je termine juste avec cette phrase, le pire sentiment, c'est le sentiment de solitude. Βρίσκονται σε απεριόριστη απεργία. Βρίσκονται σε συνεχόμενη απεργία τόσους μήνες. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντική η έννοια της αλληλεγγύης. Et ce sentiment de solitude, il est brisé, bien sûr, par la solidarité nationale, les sondages, les caisses de grève, les gens qui donnent de l'argent. Aussi, à Versailles, on a eu des paysans, des petits paysans, qui ont collecté plus de 2 tonnes de nourriture et qui nous l'ont apporté pour nourrir les grévistes, parce que nourrir les grévistes, c'est nourrir la lutte. Mais la solidarité est allée bien au-delà de nos frontières, et notamment grâce à la Fédération syndicale mondiale et aux relations bilatérales que nous avons entre syndicats, nous, à l'intérieur de la FSM. Μέσα από την αλληλεγγύη μεταξύ των εργατών, μέσα από τα ταμεία τα αλληλεγγύη στα απεργιακά, αλλά και από τους ίδιους τους αγρότες, παραδείγματος τους χάρη στις Βερσαλίες, όπου μάζεψαν τόνους τροφίμων για να τα δώσουν στους απεργούμενους εργάτες. Αλλά αυτό... Les soutiens du camarade du PAME, les soutiens du camarade de l'USB de l'Italie, du Portugal, d'Angleterre, de Chypre, du monde entier, des États-Unis, d'Afrique, d'Asie, le soutien par des déclarations,
Le soutien aussi concret, militant, des gens qui ont levé des fonds pour nous aider, mais aussi la présence dans les manifestations, mais aussi, et ça je tiens à le dire, toutes ces images qu'on a pu voir à Athènes, des jeunes, des ouvriers, au Pirée, dans différents endroits, dans des petits villages, dans des petites usines, qui dressaient des pancartes en grec et en français pour dire « Vous n'êtes pas seul, on vous soutient. Ne croyez pas que nous ne les voyons pas. Ne croyez pas que ça ne franchit pas les frontières. Tout est partagé. Les travailleurs le savent. Tous les jours en Assemblée Générale, on montre les photos, on en parle. Et ça aide les grévistes à voter encore la grève au lendemain. Encore un jour de plus. Encore un jour de plus. Encore une semaine jusqu'à la victoire. Ça aussi. » C'est le carburant de la lutte. Pour ça, merci. Merci. Volisto. Είναι πιο αναγκαίος από ποτέ.